Ouais, bonjour. Oh la vache, il y a du monde. Oh là là, c'est plein à craquer. Ça va? Oh, il y a du monde, il y a des fans de la Pologne, il y a des fans de la Russie. Il y a des Russes ici, ouais. Oh, ce monde, Julien, là, ça commence à devenir assez homérique comme ambiance. Mais un match d'anthologie qui va suivre surtout, c'est pour ça qu'il y a autant de monde. Et oui, on espère qu'il y a... Est-ce qu'il y a des fans de Quake dans la salle ici? Il vient de Russie, c'est la rockstar de Quake 4, et c'est monsieur Couleur. Applaudissements pour Couleur. Voilà, voilà, il arrive en courant. Décontracté. Hello. Hello Couleur. Ouais, chauffe bien, viens ici, viens ici, comme il y a, comme il y a. Et très décontracté, hein. Très décontracté avec les fans russes qui sont juste là. Couleur, tu dois être un des joueurs qui a fait le plus de finales ici, qui a été le plus sur scène. You're one of the players who went the most on stage and who made most of the finals here at ESWC. How do you feel for this new one, for this year? Comment tu te sens pour cette année? I'm just feeling that it's my good work here, and I'm happy because of it, and we will just make a good show here with Zavek, and just Russian be with me, something like that, and scream for me, thanks. Russian's gonna be there. Yeah. Voilà, donc Couleur qui va essayer de... What do you think about Evek? People say that he's some kind of your padawan. Yeah, I'm like his coach, but anyway, he's a very talented player. And he has very much experience of the tournaments and of the games on the stages, and just respect to him. So, well, that's it. So, do you think you're gonna win anyway against your pupil? I just want to say that we already win the tournament, and we are just good friends on the tournament, and we will just make good game. Ok, pour eux, ils ont déjà gagné parce que Anton alias Couleur, le russe, un des joueurs les plus intelligents à Quake depuis très très longtemps. Voilà, comme il le dit, hein, maintenant il est très heureux parce que quoi qu'il arrive, lui et son disciple et son ami avec sont ensemble en finale. Ils seront contents. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir le prodige polonais de Quake, celui qui fait trembler le monde du duel, monsieur Avec qui va rentrer sur scène? Allez, on l'encourage! Et on voit les supporters polonais. C'est le premier rang. Polonais en finale de Quake 4. Voilà, il arrive lui aussi. Il salue ses fans. Il est motivé. Il a l'œil du tigre, ça se voit. Maciej Strzykowski, alias Avec. Avec, bonjour, c'est la deuxième fois de la semaine qu'on te voit. Et heureux d'être en finale. Second time here on stage. Happy to be in the finals. Yes, I'm happy to play in the final. It's really nice to play on the stage and see for everybody who's coming to support us and for every public, for French people who are interested in the game. Thanks. Voilà, avec. What do you think about your opponent here, Couleur, because you know him too much? I think Couleur played many times on ESWC. He's an experienced player and I respect him for everything, so it will be hard. In France, we love to say that the pupils goes beyond the master. On aime dire que l'élève dépasse souvent le maître. Do you think that you can beat your coach today? My coach? I don't know. We will see. Il sait pas. Il va voir. On va voir. You have like, did you play against each other in an official match recently? Vous avez déjà joué l'un contre l'autre récemment? Yeah, I think we already played in official match like 3 times maybe. And who won? I think one time I won and 2 times he won. Okay, donc le Polonais Maciej Strzykowski alias Avec, voilà, qui va aller saluer ses fans. On vous rappelle, ça fait 2 ans qu'il est recalé à la Coupe du Monde à cause de son âge. Et voilà, et pas et à là, cause de son niveau. Et là, son âge joue en sa faveur parce qu'il va avoir un talent et une niaque incroyable. Nous, on va aller rejoindre Madjar maintenant, qui est dans les commentaires. C'est incroyable, la salle est blindée pour cette finale de Quake 4. Un match d'anthologie. Et ouais, Quake et le SWC, ça restera toujours une histoire d'amour. Ça va commencer, on peut échauffer. 5 secondes pour cette grande finale de l'ESWC 2007. Et c'est parti. C'est parti, Florian, nous faut connaître. Voilà, donc Couleur est dans le trait de l'armure rouge, mais la récupère à l'instant, il va se précipiter sur le. Il le récupère.
Ah là, il rate son adversaire à la fin de la roquette. On récupère des dommages, il y a un avantage de mise sur l'adversaire. Il le frag, premier frag enchaîné. Très bon départ de la part de Couleur. Un frag et un respawn qui va ensuite. Couleur a repoussé son adversaire, mais il préfère fuir pour récupérer l'armure rouge probablement. Il a touché, je crois, de sa roquette. Il a bien touché la roquette. Oh là là, super. Avec une roquette. Oh là, les roquettes de Couleur super. Attention, attention, le prochain qui fait mal derrière. Et oui, deuxième frag. Couleur n'a plus beaucoup de vie, il doit vite se refaire le plein. Avec seulement un lance-roquette et 100 HP. Contact au niveau téléporteur. Et Narox, magnifique. 2-0. Couleur est affaibli. Couleur souffre là. Il a tombé. Ça y est, le frag. 2-1. Avec apparition au niveau de l'armure rouge. Couleur attend l'armure rouge. L'avantage avec le rush. Il fait mal là. Il fait très mal au placement. Il récupère l'armure rouge. Avec recul, mais il met un magnifique coup de règle. Belle anticipation. Avec qui est à 90 de vie et 20 d'armure poil plutôt, on dira 90-20. Voilà, mais contre 114-54 pour Couleur. 160 à peu près de l'autre côté. Donc Couleur a l'avantage, mais il préfère jouer défensif. Il attend son adversaire en haut de l'escalier pour le faire. Pareil pour Avec, les deux s'attendaient à chaque coup de. Il s'attendait pour se placer une belle roquette pour enchaîner par un frag. Encore un beau coup de raid de Avec qui apparemment est au point avec cette arme. Ça va faire mal, ça va faire très très mal. Ce raid, je sens. Voilà, il fait mal, il fait mal, mal au shaft. L'arme rouge va apparaître. Donc le 48 de vie, 61 d'armure pour Couleur. Il vient récupérer un gros pack de vie. Gros échange au shaft, une roquette dans les pieds. Et là le MH va bientôt réapparaître. Avec on va essayer de s'écouser. Avec son sort du shaft. Avec qui frag. Égalisation de partout. Un respawn kill quasiment. Et oui, respawn kill de Avec. Le superbe coup de rail. Enchaînement. Très très bon enchaînement. Il a essayé des bonnes roquettes de la part de Couleur qui redonne directement la réplique. Au jeune Polonais, 3 partout. Il a surpris son adversaire, il pensait pas qu'il viendrait l'attaquer aussi vite. Ouais, deux belles roquettes placées, 200 points d'HP perdu et c'est le frag qui passe. Égalisation, 3 partout. C'est très bien joué de la part de Couleur. Il se laisse pas du tout dominer. On aurait pu penser qu'avec la série 3 frags, avec elle est tout de suite bloquée la carte rapidement. Mais non, effectivement, c'est son thème. C'était audacieux et c'était très dangereux. C'était cher, ça Il est 4 à 3. C'était bien tenté, hein, c'était bien tenté de sa part. Ouais, c'est le premier duel vraiment qui est serré comme ça effectivement entre ces deux joueurs parce qu'ils ont eu des scores clubs dans le tournoi. Oh la belle roquette de Couleur, il a très bien anticipé le mouvement. Oh deuxième roquette, troisième roquette, attention. Il a très très mal. Oh là là, Avec il arrive quand même à tuer Couleur, mais attention, il n'a pas beaucoup de vie. 5 à 3, Avec va enchaîner avec un respawn kill. Il évite le plasma gun. Et il réussit à enchaîner un frag, 6 à 3 pour Avec. Et là il va pouvoir peut-être bien contrôler la map parce que maintenant 6-3 et surtout il a l'armure rouge. Avec son railgun. Donc il a le railgun qu'il touche. Oh là là, magnifique coup de rail. C'est impressionnant, son rail est impressionnant. On ne connaît pas ses stats, là je ne les ai pas sous les yeux, mais je peux facilement estimer du 60% minimum. Avec récupère le méga. Coup de rail, on sait même pas d'où il est parti, mais un deuxième coup de rail. Je suis sur Couleur. Magnifique. Là. Oh là là, et Avec qui gagne son duel. Voilà, parfait. 7 à 3. Le jeune champion met la poule à son maître. 8 à 3. Avec, il a fait le show, il a fait voler son adversaire, il va se plancher encore une fois. Respawn kill probablement, le petit Couleur ne suit pas, il essaye d'affaiblir son adversaire. Il a les bouches sous les yeux, mais il rate. Ah, il s'envole Avec là. 9 à 3. Ouais, bah Avec là, il a le contrôle de la map. La superbe grenade. Que Couleur vient de mettre dans la face d'Avec littéralement. Julien, comme tu dis, là Avec la contrôle. Oh, un gros coup de rouge. Un deuxième coup de rouge. 46 HP du côté de Couleur. Le coup de rail lui fera tomber. Avec le C, il a un coup de shaft, c'est terminé. 10 à 3. Phénomène est en action. Ouais, il commence à dérouler son jeu après un début très très difficile avec Couleur. Deux roquettes magnifiquement bien placées. 11 à 3. Avec commence vraiment à verrouiller le niveau, il ne laisse rien à son adversaire. Non seulement il a un skill de deck supérieur, mais il a également toutes les armures et tous les bonus. Ouais, j'irai bien, il se laisse pas par les russes. Un gros coup de rail du russe. Très bon coup de rail du russe, il va falloir en mettre beaucoup pour endommager Avec hein, parce qu'il est à 150. J'en mets un deuxième. Encore un deuxième coup de rail, c'est un beau hit and run qu'il nous fait. Il a faibli son adversaire pour essayer de faire un coup. Oh là là, il en a pas mis un troisième. Attention, c'est chaud entre les deux. Ils sont loupés.
avec Max, plutôt du tir de prévention. Il va la roquette, attends, très bien joué de la part d'Avec. Avec, il y a littéralement rushé son adversaire. Il va faire le respawn kill son adversaire. Oui, le respawn kill. 13 à 3. C'est magnifique. Bien joué de la part d'Avec. Il a agressé couleur sur l'arrêt d'armor. Alors c'est un duel oreille. Il est plus carrément avec la roquette. 39 HP pour Avec. Il est un peu en difficulté. Couleur a un net avantage de vie. Et une roquette. Couleur reprend le contrôle. On va voir s'il peut contrôler avec tout ça. Avec une personne en favorite, le Railgun. Attention, il peut faire très mal avec, Couleur le sait. Il va se toucher. 13-4, rien n'est joué bien sûr. Un très bel avantage pour le Polonais, mais... Les roquettes partent. Très bien joué de la part de Couleur qui est venu... Très très beau chef de Couleur qui a coulé au plafond son adversaire et qui l'a tranquillement terminé en haut des escaliers. 13-5, Couleur remonte, il a pris le contrôle. Il espère pas le laisser, avec réussi à le couper. Il a fait mal, ce shaft est impressionnant. La roquette elle a touché aussi, j'ai entendu au bruit. Oh superbe, il a anticipé le mouvement d'Avec, mais attention c'est pas fini. Déjà ça c'est Avec. Avec un truc, non, 15 HP, Couleur ne laisse pas se toucher son adversaire. Un HP, et Couleur se suicide avec sa roquette. Et on enchaîne directement, on repart très très fort avec d'un côté donc Avec qui est un peu qui a récupéré le railgun. Avec qui n'a rien récupéré qu'un railgun, il va essayer de prendre le MH et capture Rocket Jump. Magnifique Rocket Jump bien passé. Avec légèrement de vie, enfin peu de vie par rapport à son adversaire. On va scouter son Couleur, on va scouter. Couleur a beaucoup plus de Couleur qui a voulu aller prendre le MH. Couleur qui a Avec a récupéré le MH, donc le timing a perturbé Couleur qui pensait que le MH allait arriver. Il est en mauvais moment pour Couleur là, il a pas du tout la main parce que non seulement il a attendu le MH qui a été cassé par Avec, mais en plus il a laissé donc son opposant en plus récupérer l'armure rouge. Mais il sait que le MH va réapparaître maintenant parce que s'il avait buffé avant, c'est qu'il allait pas prendre, donc il vient de le récupérer. 152 d'HP pour Couleur et 147 d'armure. Contre 150, légèrement au-dessus de Avec. Donc l'armure rouge va réapparaître maintenant. Ce coup de rail. Super. Impressionnant coup de rail. Le pixel qui dépasse, ça part vraiment devant les joueurs de Couleur. Ouais, attention, il sera en pleine rencontre. Il va essayer d'être offensif Couleur, il va essayer d'aller prendre 2 points car il est trop proche. Gros échange de chat, 19 HP. Superbe. 12 à 6. Oh là là, il est venu. Il va peut-être prendre l'ascendant psychologique sur l'adversaire. Si avec Krat, il ne pourra plus reprendre le niveau. Ça peut... Très belle roquette. Et voilà, il enchaîne, le Russe qui revient. Avec à tout de même bien affaibli son adversaire. Mais bon, Couleur a tout le contrôle. Voilà, là, mais avec, tu l'as surpris. Malgré ça, un gros coup de chef de Avec. Ouais, puis surtout Avec arrivé dans le dos de Couleur. Donc pendant une seconde et demie, il a pu enchaîner du chef sur Couleur et faire fondre tout son avantage. Exactement. Ça fait que maintenant, on se retrouve avec un score toujours en la faveur du Polonais. Mais Couleur continue de garder la domination. Il a 135, 116 contre 69,50. Une seconde de chef, ça équivaut facilement à plus de 100 HP, donc ça ne parle pas. Ouais, il a à peu de temps pour ça qu'il faut constamment savoir où est passé son adversaire pour ne pas être surpris en seconde. Et donc le son est très important. Donc Couleur récupère la MH avec le téléporteur. Qui a la domination? Tout à l'heure, Julien qui avec avait la domination, il l'a forcément perdu. Et bien là, c'est maintenant qu'on voit la domination, c'est au premier échange. Et là, en ce moment, on peut dire que c'est Couleur qui a largement la domination. Il contrôle les items, il sait. Donc là c'est le prochain échange risque d'être fatal pour Avec. Sauf erreur de Couleur. Une belle roquette qui passe. Avec touche. Oh là là, Couleur touche. Il a failli. Oh là, il a failli. Un coup de rail avec tombe. Couleur joue offensif. Il fait un rocket jump pour attraper son adversaire. Il attend le MH, il va le récupérer et il va essayer de terminer son adversaire maintenant. Il a pas vu passer dessous. Il a pas vu.